savais que Caius Marcius est le principal ennemi du peuple. Nous le savons. Tuons-le. Et nous aurons le blé au prix que nous voudrons. En avant! Prétendez-vous agir spécialement contre Caius Marcius? Mais c'est l'ennemi du peuple! Considérez-vous les services qu'il a rendus à son pays? Il a tout fait pour plaire à sa mère et pour servir son orgueil qui, certes, est à la hauteur de son mérite. Doucement! Qui vient là? C'est le digne Agrippa Médénus! Que voulez-vous donc faire, mes concitoyens? Où allez-vous avec des bâtons et des massues? Qu'y a-t-il? Or, parlez, je vous prie. Quoi? Vous voulez donc votre ruine? C'est impossible, monsieur. Nous sommes déjà ruinés. Je vais vous conter une jolie fable. Un jour, tous les membres du corps humain se mutinèrent contre le ventre, en l'accusant et se plaignant de ce que lui seul il demeurait au milieu du corps, paresseux et inactif. Voyons, monsieur. Quelle réponse fut le ventre? Votre ventre répondit ainsi. Il est bien vrai, mes chers conjoints, que je reçois le premier toute la nourriture qui vous fait vivre. Et c'est chose juste, puisque je suis le grenier et le magasin du corps entier. Car si vous vous souvenez, je renvoie tout par les rivières du sang, jusqu'au palais du cœur, jusqu'au trône de la raison. Et grâce aux conduits sinueux du corps humain, les nerfs les plus forts et les moindres veines reçoivent de moi ce simple nécessaire qui le fait vivre. C'était une réponse. Quelle application faites-vous? Le Sénat de Rome est cet excellent ventre. Et vous êtes les membres révoltés. Car ces conseils et ces mesures étant bien examinées, les affaires étant dûment digérées dans l'intérêt de la chose publique, vous reconnaîtrez que les bienfaits généraux que vous recueillez procèdent ou viennent de lui, et nullement vous-même. Qu'en pensez-vous, vous, le gros orteil de cette assemblée? Moi? Le gros orteil? Mais pourquoi le gros orteil? Jamais. Il l'aime, peuple plébéien,
mais ne le forcez pas à coucher avec eux. Êtes-vous tous résolus? Allez donner vos voix. C'est la majorité qui décide. Il a nos voix, citoyen. Il ne s'est pas moqué de nous. C'est sa façon de parler. C'est un parti pris. Un complot prémédité que d'enchaîner la volonté de la noblesse. Souffrez cela, il nous faudra vivre avec des gens qui ne seront pas plus commandés qu'obéir. Le peuple s'indigne quand on lui a distribué le blé gratis. Vous avez murmuré et calomnié les orateurs du peuple en les traitant de complaisants, de flagorneurs, d'ennemis de toute noblesse. Coriolan, lui, consul, jamais. À bas, Coriolan ! À bas ! Raison manifeste ! Édile ! Hola ! Qu'on la préhende ! Allez appeler le peuple ! Arrière ! Vieux bouc ! Coriolan, lui, consul ! Non ! Nous vous accusons d'avoir cherché à supprimer dans Rome toutes les magistratures constituées. En quoi nous vous déclarons traître au peuple ? Monument. Aidez-moi.